Bonjour, ici Louise Arcand, coach et conseillère en développement professionnel. Alors, aujourd'hui, je viens simplement vous partager mon impression sur la satisfaction immédiate. Alors, l'idée, elle me vient parce que ce que je constate dans différents domaines, puis je le vois aussi en coaching, c'est qu'on mesure souvent les résultats par la rapidité avec laquelle on les atteint. Puis souvent, ça crée de l'insatisfaction. Parce que si les choses n'arrivent pas assez vite, on pense qu'il n'y a pas de résultat. Alors, si vraiment on a quelque chose qu'on veut entreprendre, quelque chose qu'on veut changer, quelque chose qui nous titille depuis des semaines, depuis des mois, depuis des années, bien, c'est un peu illusoire de penser qu'on va avoir une satisfaction immédiate. C'est comme de dire que la chose ne vaut pas la peine pour qu'on y mette des efforts, finalement. Donc, souvent, ce que je vois aussi, c'est que les gens qui s'attendent à une satisfaction immédiate vont souvent butiner d'une personne à l'autre, d'un intervenant à un autre, afin de rechercher cette satisfaction immédiate-là. Puis finalement, ce que ça crée, c'est de l'insatisfaction. Ça crée qu'il n'y a pas de résultat. Puis ça crée aussi qu'il n'y a pas d'accomplissement, ni personnel, ni professionnel. Alors, je vous pose une question. Si vous êtes vraiment, vous sentez que vous êtes dans ce genre de profil-là, dans quelle mesure est-ce que les résultats sont importants pour vous? Puis l'autre question, c'est combien de temps êtes-vous prêt à fournir, à mettre, combien de temps, qu'est-ce qui serait votre échéance finalement pour voir se produire des résultats? Puis de tout, c'est afin qu'il soit durable dans le temps, parce que des résultats temporaires, c'est facile à avoir, mais l'objectif vraiment, quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur, c'est qu'on souhaite vraiment que ce soit durable. Alors voilà, c'était ma capsule d'aujourd'hui. Alors je souhaite qu'elle vous soit utile. Puis mon nom est Louise Arcand. Je vous rappelle que je suis coach et conseillère en développement professionnel, puis ma mission est toujours de vous accompagner à avoir une vie professionnelle plus riche de sens. Alors, à très bientôt. Merci.